Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Rebond. Dans cette vidéo, surtout, s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche de la moto de cette bonne prochaine vidéo. Et si vous voulez faire les dons, il y a la partie description, surtout toutes les informations dont il vous faut pour faire des dons. Vous pouvez les faire les dons via Western Union ou PayPal. Ce sont les deux moyens qui sont disponibles en ce moment. Mes frères et soeurs, aujourd'hui là, c'est vous qui allez faire cette vidéo. Je vais vous poser des questions. Dites-nous, est-ce que vous croyez réellement au mysticisme, à tout ce qui est mystique, ou encore à la sorcellerie? Est-ce que vous croyez vraiment à ces choses? Est-ce que vous croyez à cela? Parce que ce dont nous allons vous raconter ici, là, ce que nous allons vous dire là, ça va tellement vous étonner que... En tout cas, moi, ça m'a étonné. Si ça vous a étonné là, laissez un like en dessous, un j'aime, et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Mes frères et sœurs, c'est incroyable, mes frères. Un jour, j'ai été invité par un ami dans un village. Et dans ce village-là, vous savez que souvent, là, il y a des décès, les gens meurent. Est-ce que c'est qu'il y a des gens qui meurent? Partout, il y a des gens qui meurent, n'est-ce pas? Oui. Ce jour-là, j'avais des funérailles. Mais après, quand on devait aller enterrer maintenant la personne, il y a eu des gens qui ont soulevé le cercueil. Et à un moment donné, là, il y a eu un mouvement brusque. Vous savez, c'était quoi? Il y a eu un mouvement brusque, mes frères et soeurs. Vous savez, c'était quoi? Les gens qui avaient attrapé le cercueil, là, il ne se contrôlait plus. Mais pourquoi? Dès que les doyens, ou encore les vieillards de ce spectacle, ou encore de ce village ont vu ça, ils ont dit, attention, attention, il me semble que l'esprit du mort s'est réveillé. Et l'esprit du mort veut dévoiler qui sont les gens qui l'ont tué. Qui sont les sorciers qui l'ont tué? Il veut montrer ça. Donc, regardons le tellement. Ah! Que va-t-il se passer? Et voici que ce cercueil là-bas maintenant se diriger vers plusieurs maisons. Plusieurs maisons comme ça. Hey! Et au fur et à mesure que ce cercueil là-bas commence à se diriger vers les maisons là, c'est ce qu'elle va chercher à faire quoi? Entrer dans cette maison. Ah! Comment le cercueil va faire? Les gens qui tiennent le cercueil là, ils ont fait marche arrière. Automatiquement, ils étaient sous la pulsion de ce cercueil. Ou encore de l'esprit du mort qui se trouvait dans ce cercueil. Est-ce que ces choses sont réelles? Nous allons en parler. Quand ils ont fait marche arrière et qu'ils ont... Ils sont allés de l'avant, ils ont cogné la porte, l'entrée de cette maison-là. Une fois, la moitié de la porte est brisée. Deux fois, l'autre moitié. Trois fois, la porte même est tombée. Quand la porte est tombée, là, le cercueil et tous ces gens-là sont entrés dans la maison. Pour chercher qui? Pour chercher quoi? Ou du moins qui? Ah! Pour chercher la personne. Ou encore si. Dans le groupe de sorciers qui ont tué, c'est-à-dire le groupe de personnes qui ont tué en sorcellerie, cette personne-là, s'il y avait un qui s'est trouvé dans cette maison, sinon deux, ou bien plusieurs. Ah! Il est entré dans la maison, le cercueil est entré dans la maison là comme ça pour chercher. Il n'y avait personne, le cercueil est ressorti. Aller maintenant dans un lieu public où on peut trouver, ça veut dire, oh mon Dieu, c'est grave. Ce cercueil est allé dans un lieu public pour voir si il peut retrouver cet individu là-bas. Et quand le cercueil est arrivé là-bas, voilà le choc. Voilà le choc. Dès que le cercueil a détecté, a trouvé le monsieur qui l'a tué même, ou l'une des personnes qui l'a tué là, en sorcellerie là, dont nous sommes en train de vous parler là, le cercueil a foncé, ainsi que tous ceux qui tenaient le cercueil là, tous ceux qui tiennent le cercueil là, le cercueil a foncé comme ça. Sur qui? Le monsieur.
Et le cercueil est tombé. Tenez-vous bien. Le cercueil est tombé sur le monsieur en question. Le vieillard qui fait partie de ceux qui ont tué. Dès que le cercueil a touché le vieillard, est tombé sur le vieillard là. Un coup seulement, le vieillard est tombé aussi, il est mort. Et on retrouve maintenant quoi? Le cercueil là, sur qui? Le vieillard là. Et les quatre personnes ont laissé le cercueil. Puisque le cercueil là est allé en chute libre. Tu vois, ouais. C'est tombé en chute libre, c'est en chute libre. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai vu, je suis pas en train de vous dire qu'on m'a raconté. C'est moi-même de mes propres yeux, j'ai vu ça. Si vous voulez, hein, on va faire une vidéo pour vous présenter ça. Mais je pense que si Nyon serait bonne d'eux, cette vidéo-là est déjà là-bas. Néanmoins, on verra. Selon votre demande dans la partie commentaire, nous allons vous présenter cette vidéo, une vidéo qui se trouve même sur YouTube en ce moment. Ah! Mais j'ai dit, c'est incroyable. J'ai vu de mes propres yeux cette histoire-là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment l'esprit du mort là qui travaille? Ou bien ce sont des démons qui ont pris la place? C'est la question que je me posais. Mais comment c'est possible? Et bizarrement, tout ce que le secret là a touché, a cogné là, c'était des sorciers. Et bizarrement, ils font partie des gens qui l'ont tué. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à attraper tous ceux qui ont participé à la mort de cet homme. Tous les sorciers qui ont comploté à la mort de cet homme ont tous été dévoilés sur le coup, sur le champ. Oh! Wow! Wow! Hey! Ça veut dire qu'il y a des choses vraiment graves qui se passent. Ça veut dire qu'il y a des trucs vraiment tout graves. Et ça, c'est incroyable. Mais vrai. Quoi? Un cercueil qui attrape les sorciers. What? La fois de ce, quand j'ai vu ça, j'ai eu la même réaction que vous. Et si vous avez eu la même réaction que moi, laissez un like. Laissez un like, il nous faut savoir combien de fois vous êtes touché. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui feront des dons également. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Mais c'est incroyable. Tchis!